Chaque doigt est lié à deux organes. Découvrez la méthode japonaise pour les guérir en 5 minutes. Le Jinshin Jutsu est un art très ancien d'origine japonaise qui utilise le toucher pour harmoniser l'énergie vitale du corps. Jinshin Jutsu signifie l'art du créateur à travers l'homme de connaissance et de compassion. Les Japonais font usage de cette pratique de médecine alternative qui repose sur l'idée que chaque doigt de la main est connecté à deux organes du corps. Cet art ancestral est une croyance que les doigts gardent notre corps en équilibre. Ainsi l'énergie du corps pourrait être soutenue par la stimulation de certains points essentiels des doigts. Quand ceux-ci sont stimulés, chaque point ouvre une chaîne d'énergie à l'organe concerné, par conséquent la fonction de l'organe est améliorée et la santé générale renforcée. Similaire à l'acupuncture, cette méthode consiste à pratiquer une pression sur des endroits spécifiques du corps. Certains optent pour la méthode de Jinshin Jutsu, d'autres pour une acupuncture différente, mais pour les deux, cela se focalise sur les doigts et les orteils. Il est important de savoir également que chaque organe est lié à une émotion. Par exemple, un foie perturbé génère un sentiment de colère. Une personne soumise à une situation d'agression, de frustration qui la met en colère, verra son foie perturbé. Cette relation double a été enseignée depuis des millénaires par les Japonais. Voici les centres d'énergie les plus importants. Organes, l'estomac et la ratée émotion, l'anxiété et la dépression symptômes physiques, les maux d'estomac, les problèmes cutanés, la colère, les maux de tête. L'index. Organes. Les reins et la vessie émotion, la confusion, le mécontentement, la peur symptômes physiques, les maux de dents, les douleurs au dos, les douleurs musculaires, les problèmes de digestion. Organes, la vésicule biliaire et le foie émotion, l'indétermination et la colère et symptômes physiques, les problèmes de circulation sanguine, les douleurs menstruelles, la fatigue, les maux de tête et la migraine frontale. L'annulaire. Organes, le gros intestin et les poumons émotion, le pessimisme et la tristesse et symptômes physiques, les problèmes cutanés, l'asthme, les problèmes de digestion et les problèmes respiratoires. L'auriculaire. Organes, le xure et l'intestin grêlé émotion, l'anxiété, la nervosité, l'inquiétude et le manque de confiance en soi. Symptômes physiques, les douleurs cardiaques, les maux de gorge, des problèmes d'articulation, les ballonnements. Comment utiliser la méthode de Jinshin Jutsu? La méthode de Jinshin Jutsu est une pratique simple qui peut être faite par tout le monde, elle ne nécessite pas de compétences particulières, juste deux mains et un peu de savoir-faire. Tout en respirant profondément et calmement, appuyez sur le bout du doigt concerné avec le pouce et l'index de la main opposée. Pratiquez une pression pendant 1 à 5 minutes en fonction de ce que vous ressentez. C'est peut-être pour cette raison que les bébés ont tendance à trouver calme et sérénité en suçant leur pouce. Mise en garde, les femmes enceintes doivent consulter leur médecin traitant avant toute utilisation de la méthode de Jinshin Jutsu ainsi que toute autre forme d'acupression.